Séance de travail entre les responsables du système des Nations Unies au Burkina Faso et les acteurs de développement. Ces échanges se sont tenus hier dans la capitale burkinabé et ont porté sur le PNDS, le Plan National de Développement Économique et Social, et les objectifs de développement durable. Des détails avec Sié Dilaréyène et Oumar Zombré. Les acteurs de développement du système des Nations Unies et du Burkina sont ici en atelier. Durant deux jours, ils vont ensemble définir les principaux axes de coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement burkinabé. L'un des objectifs étant d'arrimer les piliers majeurs de développement à ceux dressés par le Plan National de Développement Économique et Social, PNDS. Ce n'est qu'une étape. Une étape qui doit nous amener à avoir un cadre qui montre comment le système accompagne le pays aussi à faire en sorte que le PNDS s'aligne et se projette dans un développement durable. Développement durable qui se focalise sur à la fois la qualité de vie, mais une croissance inclusive. Les sillons qui seront tracés à l'issue de cette rencontre viendront renforcer les efforts déjà entrepris par le gouvernement burkinabé en matière de développement durable. Ça vient en très grande complémentarité parce que vous savez que tout ce qui a été projeté dans le PNDS, ce sont les ambitions du gouvernement, mais nous avons besoin de l'accompagnement de nos partenaires. Et donc c'est vraiment une opportunité très grande que le système des Nations Unies nous fait, donc de pouvoir contribuer avec le gouvernement à la mise en œuvre effective donc du PNDS. Au cours de cet atelier, le bilan des activités de l'année écoulée sera dressé afin de permettre aux acteurs de développement de tirer des leçons et de dégager des perspectives pour la suite du processus.